rentrer en dents. Sur la corde du piccolo, sur la corde du piccolo, sur la corde du piccolo. C'est carrément l'icône de la musique traditionnelle au Québec. 50 ans de carrière, c'est notre trésor national. Et pour le mois de décembre, il avait un agenda très chargé. Juste aujourd'hui, 3 dates de spectacle. Et il accepte tout de même de nous parler en plein temps des fêtes. Yves Lambert, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir, c'est toujours un plaisir de vous parler. Il faut dire que votre agenda, elle est très, très chargé. Pourquoi c'est important pour vous d'offrir autant de spectacles durant le temps des fêtes? Bien, ça fait que ça amène de l'argent. Ça fait vivre mon clan, mademoiselle. Moi, j'ai une petite compagnie familiale, tout petit. Puis c'est un temps de l'année où ce qu'on peut faire, on peut remplir les coffres un peu. Puis aussi, c'est de semer la bonne humeur aussi. Bien, le spectacle est vraiment fantastique dans ce temps-ci, la réception. Les salles sont pleines. Je suis vraiment content. Content de mon Ben. Mon Ben, c'est un Ben vraiment exceptionnel. Les gens sortent bouleversés aussi, contents, festifs, mais aussi bouleversés parce que je touche aussi l'âme. Je touche l'humain dans toute sa sensibilité. Puis ça, c'est à cause de l'expérience, mademoiselle. C'est ce que j'allais vous demander, justement. 50 ans de carrière, comment ça a évolué du début de la bottine souriante à aujourd'hui, votre carrière, où il y en a eu du chemin, du parcours? Qu'est-ce qui a évolué en 50 ans? Moi-même, j'ai évolué dans la compréhension du métier, dans l'appréciation du public, dans la responsabilité de l'artiste aussi. Moi, je suis très chaleureux avec le monde, puis moi, mon but, c'est de les rendre de bonne humeur parce qu'ils en ont besoin dans ce temps-ci. Puis moi, avec le temps, ça fait longtemps que je le dis, la musique est un outil, c'est pas une fin en soi. La musique, c'est un outil de communication, c'est un outil de pour le monde, c'est un outil pour sensibiliser les gens, puis pour choyer les gens, pour leur emmener de la bonne humeur. Puis moi, je touche aussi de la tendresse là-dedans. Mais aussi, c'est l'expérience, puis c'est un paquet de conjonctures qui fait que maintenant, j'ai jamais aimé mon métier comme maintenant, puis ça n'a jamais été aussi facile aussi. Ce que je trouve intéressant aussi, ce sont les textes qui, peu importe les années, demeurent actuels. Il n'y a pas une ride sur ces chansons-là. Ça dépend toujours comment tu les prends, ces chansons-là. C'est vrai. Moi, j'ai toujours eu un don un peu pour les emmener dans l'esprit de la contemporanéité, quelque chose. Même si c'est des vieux textes qui sont complètement abstraits pour la plupart des gens maintenant, moi, je les digère, puis je les emmène. Puis il fait qu'à un moment donné, le monde comprenne ce qu'ils veulent bien comprendre aussi, parce qu'il y a une certaine liberté de compréhension là-dedans. Et puis, mais il y en a d'autres qui sont plus spécifiques. Mais c'est la manière d'interpréter. Moi, je ne suis pas un compositeur, je suis vraiment un interprète, mais c'est dans ma manière que les amène le monde, tu sais. Puis on sent la passion. J'aimerais d'ailleurs qu'on écoute, parce que dans les dernières années, il y a eu de superbes collaborations. J'ai envie qu'on écoute ensemble un extrait d'une collaboration que vous avez fait avec Shawit et qu'on en discute ensuite. Oui, oui, d'accord. Superbe chanson qui est sortie au début de l'année. J'aimerais que vous me parliez de cette collaboration-là avec notre artiste Shawit. Ah, bien, Shawit, je le connais, moi, depuis une quinzaine d'années. Puis on avait fait un show politique, un show de chansons politiques dans le cadre du Québec, le 400e de Québec. Puis depuis ce temps-là, on s'est liés d'affection. Puis dans son dernier album, à un moment donné, c'est son gérant qui m'appelle. On va faire une vidéo chez vous. Ça, c'est chez nous, ça, où ça se passe. Sur le bord de la rivière Assomption, qui veut dire en Atikamekw, l'Outaragawasipi, qui veut dire rivière sinueuse. Et puis, c'était vraiment un geste d'amitié. Et puis, ça a bien à donner. Mais je m'entends bien avec Shawit. C'est un peace, Shawit. C'est un gars de paix. C'est un gars de... Tu sais, c'est... Fait que moi, je m'entends vraiment bien. Au niveau des convictions, c'est compatible. Et puis, on a eu du fun à faire ça au bout. Puis, c'est très, très amical. Et puis, j'aime ce qu'il fait aussi. Puis, j'aime comment il l'emmène. C'est avec douceur. Moi, comme je dis souvent présentement, ce que je souhaite aux gens pour 2024, c'est de la douceur, d'être smooth.
C'est ça qui, c'est ce qui est important parce que les années sont pas faciles. Mais Shawit, on travaille pas mal dans le même sens. Puis au niveau patrimoine, ben c'est pas mon patrimoine à moi propre, mais c'est vraiment une continuation de ma démarche au niveau de la, du patrimoine et au niveau de, des musiques dans mon anthropologue un peu toutes sortes d'affaires. Ben, bel ancrage aussi, c'est ça que j'entends beaucoup dans votre discours, puis je trouve que la collaboration avec Shawit, c'est un peu ce qui me vient en tête, l'ancrage, c'est vraiment ça. Oui, hey, c'est important, moi je chante ancré, moi les deux pieds sur terre, sur le plancher des vaches, puis tu sais, autant que dans ma façon de voir, je suis très, très aérien, mais autant dans ma façon d'appliquer le métier, je suis là. Ouais. Hey, j'ai eu un record avant-hier. J'ai joué dans les résidences Soleil, 350 personnes, puis j'ai vendu les billets en 1h30. Wow! Je suis rendu le Taylor Swift des résidences Soleil. Non, mais c'est pas tout le monde qui peut se vanter de ça, là. Non, madame. D'ailleurs, Taylor Swift du Québec, vous allez lancer un album en janvier qui s'intitule « Romance Paradis » le 26 janvier. Qu'est-ce que vous pouvez me dire à ce sujet-là? Je peux dire que je l'ai pas lancé dans le temps des fêtes parce que c'est une autoroute, il y a trop d'offres. Puis aussi, c'est pas un album du temps des fêtes. C'est un album qui fait ressortir mon côté féminin. Ah oui? Oui. On n'en parle plus de ça. On parle des genres très, très spécifiques, mais on parle plus du côté féminin de l'homme et du côté masculin de la femme. C'est tellement vrai. Puis moi, j'ai travaillé mon côté féminin, puis je trouve ça important. Puis on vient tous de la même place, de toute façon. Fait que ça fait vraiment plaisir parce que c'est un album romantique. J'adore. Quelque part. J'adore. Vous avez tellement raison. Yves Lambert, merci beaucoup. On vous manque pas aujourd'hui à Delson, à l'église Sainte-Thérèse, Saint-Damien le 27 décembre, Bécancour les 29 et 30 décembre. Merci infiniment de votre temps aujourd'hui. Un bonheur de vous entendre. Merci beaucoup. Hein? Au plaisir. Joyeuse fête. Joyeuse fête. Bye.